Re-YouTube, on est reparti, on continue. Et du coup, voilà, on va voir notre frangin. Est-ce que ça va? Non, c'est quoi ce bordel? Arthur, t'as pas été mordu? Non, ça va. Faut qu'on se tire d'ici. Mais le château est fait pour résister Lucas, à... Lucas, il y en a jamais eu autant. Tu vois bien que ce n'est pas quoi, une simple alors invasion. Par ici! Vite! Va! Et fais ce que tu dois faire. Rappelez-vous le roi des rois. Qu'est-ce que tu fous avec cette porte? Il est trop classe. Qu'est-ce qu'il a fait? Les rats. Il les contrôle. Oui. Voilà. Avec la macula. On va sortir. Pas de panique. Le château a été pensé pour ce genre de situation. Mais non. Il est trop classe le Hugo là avec sa petite tenue de inquisiteur et puis. Je dois parler à Hugo. Je peux. La macula de partout. Et les rats qui. Allez, tellement classe. Non, non. Au travail. Hugo. Hugo. Tu l'as. Ou je tuerai ta mère sous tes yeux. Hugo, c'est moi. Amicia, ta sœur. Qu'est-ce qui se passe là? Attendez là, on va se battre contre le petit frère? C'est comme dit? Tu l'as, petit. Et peut-être que Vitalis te gardera à ses côtés. Non, non. Allez, gamin. Elle n'est plus rien pour toi. Je l'ai cherché partout. Qu'est-ce que tu attends, menteur? Passe ce satané seuil. Ne l'écoute pas, Hugo. Assez. Je vais l'offrir à tes rats. Ne le touche pas, espèce d'ordure. Ordure. Il s'est livré à nous parce que tu le trahis. Grâce à lui, Vitalis sera bientôt l'unique porteur de la Macula. Quoi? Non. Hugo est le seul porteur. Était. Son sang coule maintenant dans les veines. Grand inquisiteur. Arthur, maintenant! Ouais. On l'a eu, ce sale chien. Amicia. Arthur, va t'assurer qu'il est bien mort. Moi, je dois parler à Hugo. Vas-y, je m'occupe de l'autre. Hugo? Hugo! Je veux seulement te parler. Il ne peut plus rien faire, Hugo. Regarde! Amicia, tu es passée.
mon dieu. Grosse poursuite avec le grand méchant. Qu'est-ce qu'on doit faire? Où est-ce qu'on doit aller? Il ne doit pas nous voir. On doit partir d'ici, Amicia. Ma lame est encore chaude. Profitez-en. Attrape. Hera. Ils t'obéissent, non? Il doit bien y en avoir pas loin. Ah. Ils sont là, mais ils ont peur du feu. Alors on va l'éteindre. On a besoin d'eux. Vous ne pourrez pas fuir éternellement. Vous voilà. Ils sont forcément ici. Votre père ne s'est pas caché, lui. Allez. Il est mort en me regardant dans les yeux. Oui, d'accord. Faut que j'aille noter une bonne chose. On va faire quelques heures, hein. J'ai tout mon temps. Le froid. Tiens, tiens. Regardez qui voilà. Au secours. Au secours. Au secours. Au secours. Ah, aidez-moi. Ah, de l'autre côté. Vite. Elle peut utiliser son contrôle d'erreur, maintenir l'erreur pour... Ok. Allez. Très bien. Très bien. On va jouer d'égal à égal. Vite. Il les a tous tués. On va en libérer d'autres. Il est là. C'est bon du coup, ouais. Ah mais ouais, mais son épée. Attention au coup. Comment il peut faire ça? Tu dois être caché, Amicia. Ah oui. Qui rallume sa flamme. Non, mais là forcément deuxième fois. Si vous ne pouvez pas aller en enfer, c'est l'enfer qui viendra à vous. Non mais c'est un grand malade en fait. Il nous a tous eu. T'inquiète pas, on va faire la même. Et là il va rallumer direct. Ouais. Chance. Ah ouais? Et toi? Tu vas faire quoi? Rester ici? Mais ouvrez les yeux! Regardez! Tu te rends pas compte de ce que tu dis? Je me rends compte qu'on crève les uns après les autres! Ils ont eu mon frère, ton père, le vôtre! Il reste plus rien! Plus rien! Elle a raison. Amicia, c'est de la folie. On est cinq contre... une armée. En fait, on est beaucoup plus maintenant. Il a...
Il a passé le seuil ? Ouais, je crois. Et toi, Hugo ? Qu'est-ce que tu en dis ? Je veux sauver maman. Ça change beaucoup de choses. Quitte à ce qu'on meure, qu'est-ce qu'on a à perdre ? Nous ? Rien. Mais Vitalis, il s'attend pas à nous voir venir. Alors on y va. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Si je puis me permettre, un peu rapide le retournement de situation, genre « Non, je veux pas mourir, ça va pas, t'es taré !»« Ouais, jusqu'à la mort !» C'est un petit peu rapide, mais bon. Très bon, effectivement, on est avec Hugo. On va arriver à trouver maman ? On va la sortir de là, Hugo. Bon, allez, ça suffit de traîner. Hé, attends ! Elle est triste, Mélie. Elle va se calmer. Mais on peut pas l'aider. C'est pour ça qu'on est là. Pour l'aider à se venger. Et pour qu'elle reste en vie. On a le petit et les rats. On est invincibles. Roderick, c'est un enfant. Le petit. C'est pas Hugo, déjà. Un peu de respect pour... Pour le petit qui peut éclater comme il veut. Très classe en tout cas le petit personnage là de Hugo qui devient grave vénère. Qui a le contrôle des rats. C'est énorme. Qu'est-ce qui se passe ? Mélie, calme-toi. Ces putains de rats ont bloqué l'entrée la plus sûre. Ils ont pas fait exprès, Mélie. Ils... Pas le choix. On doit tenter la grande porte. Mais faudra faire attention. Oui, mais il y a du... Oh, Mélie, attends ça. Elle est en colère contre moi ? Non, elle est en colère tout court. Mais laisse-lui un peu de temps, Hugo. Du loot pour la paroisse, monsieur dame. Attention. On peut. Ouais. Non, on peut pas le faire. Contrôle du rat. Mais ça a déjà commencé, vous croyez ? J'espère bien. Gros serveur, ça. De plus en plus dans le coin. Ils sont trois. C'est risqué. Mais il sait ce qu'il fait. Par la petite porte, c'est possible. C'est ce qu'il dit. À tous les coups, elle est verrouillée. J'ai risqué. Ils vont. Fais pas pour ça. En attendant, on a un boulot à faire. Bon, j'y retourne. Sois prudent. Et merde. Il va les voir. Hey ! Arrêtez ! Je vais l'aider. Restez là. Va les balader. Venez, on doit en profiter. Balader. Alors. C'est pour toi. Toi, t'es fini. Ah oui, c'est vrai qu'on a Brutus. J'avais oublié ce détail. Oui, c'est vrai qu'il est parti. Un petit peu, tu l'as dégonflé le crâne, ce que tu veux. Pas la clavicule, le vertèbre surtout. Oui, c'est vrai que j'ai oublié que lui il faisait des plaquages. Ça a bien changé depuis la dernière fois. Les cloches, la cathédrale, Amicia. Vitalis est là-bas. Alors mère doit y être aussi. Ce salaud va avoir une surprise. Il faut d'abord retrouver les autres. Agent, avoir la conjuration. Alors, l'important c'est que je rentre avec l'histoire. C'est quoi cet Je sens que... Il m'écoute. Eh ben... C'est trop classe en vrai. Trop classe.
la tête. Par contre, je... Non. On fait attention à moi. Quoi? Ah oui, c'est parce qu'ils sont en train de manger sûrement. Ils ont eu l'appétit. Et ben... Hop. Ah bah non, du coup, j'ai plus de... Lumineux, ça. Même lumineux, ça, c'est... Ah. On a dit que j'ai la différence. Si je meurs, c'est vrai que c'est ça, hein. Ouais. Ouais, bah, je vais faire ça. Je peux en avoir qu'une à la fois, ça va mieux. Ma jolie disparition. Attention! On mange pas tous les éléments. Pardon? Attention, monsieur le forgeron là, je sais pas quoi. Quoi? Alors, il vise loin, mais pas aussi loin visiblement. Du coup. Qu'est-ce qu'il a lui? Il fait une crise d'âge. D'où? Elle le prend là alors qu'on est protégé jusque là. D'où? Ok. Des gardes, attention. Donc on a dit. Hop. La liste n'a envoyé personne à sa recherche. Bizarre. Quoi? Le capitaine a toujours été protégé. Vitalis a changé depuis l'arrivée du porteur. Mais... comment? Comment, merci. Ok, pour l'instant. Mais arrêtez, monsieur. Ah, c'est pas mal ça. Je pense qu'il tire à travers la lumière. Ou alors. Mais. On va attendre qu'il arrête de qu'il se calme un petit peu. Ah bah attendez. Il y a une autre source de rage. Okay. Dès qu'il est devenu insouciant. Mais non, mais attends. Les autres, ils ont une petite jauge qui se charge et eux c'est. Lui c'est instant. Mm.
c'était un garde comme celui-là. Ah mais il y en a un autre là. Ah je les ai même pas vus. Oh, je pensais que c'était les deux seuls. Les deux premiers qu'on avait. J'avais même pas fait gaffe. Donc des gardes, ça... attention. Mais non mais d'où tu peux nous voir là? On te voit pas, tu nous vois pas, c'est tout. Allez go. Tu vas me le payer. Non mais. Ah mais oui mais d'accord mais l'autre il fait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il passe devant et au final il n'y va même pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais... Allô? Allô? Attends, excuse-moi. T'as fait quoi là? Non mais regarde-moi. Assume. La piste de la merde. Il va où? Je crois qu'il repartait à la chambre. Perturbé du coup. Très bien. Ceci est normal. Allez, là-dessus. Non, on a eu le... Attention. Putain, la lance, je l'ai vu de très près. Et l'archer, du coup, non, ça... Ils veulent pas m'écouter. Là il faut que je libère un autre tas. Et le tas suivant est par là. Ok, il a tiré. Non, non. Allez monsieur, voilà. Ça on libère au cas où. Mais on est pas trop mal. On est ok. On a tout ça à notre dispo là. On est bien. Il y a une épée, enfin une masse d'armes enflammée. Je sais pas comment ça s'approche. Pardon. Alors lui en plus d'être bête, il est un peu en courant. Hein. C'est pas méchant, mais... Ah. On va ouvrir ça aussi. Je trouve ça dommage cette histoire de on est les héros, on va les tuer. C'est-à-dire, j'aurais préféré qu'ils se cassent ou qu'ils se défendent et puis qu'ils laissent l'inquisition. Après c'est on est les héros, mais c'est aussi une question de vengeance, tu vois. Ils sont aussi guidés par la vengeance.
Après, effectivement, ouais, c'est... Bon. Ouais, je sais pas, ils ont tous perdu des membres de leur famille et tout, je sais pas. Ouais. Mais c'est les grands-uns qui ne choquent pas. Oui, bah c'est sûr. Après, voilà, on est sur la fin, donc... Un peu tu facile, mais... Tu ne le diras pas deux fois. Tu sais plus ce qui est bien. Attention à moi. Enfin, je vous tiens. Bonsoir. On est chaud. Moi aussi, je veux être fort comme ça. Bonhomme, tu as une armée de rats. Rodrigue, il faut qu'on ouvre cette herse. Je ne vois pas de levier. Je m'en occupe. À ton signal. Tout seul. Tu veux le faire? Après, trop facile, oui, non, regarde, on est déjà mort. Il y en a fait, il y a encore pour mourir là. Tu t'en charges, Rodrigue? D'accord. Wow. Vas-y, ouvre la porte. Ah oui. Et c'est les normaux ou c'est. C'est pas encore les transformés. Donc, je pense que les transformés, déjà, ça va être un peu l'arme ultime. On les a pas encore vus. En fait, l'idée que Hugo ait le pouvoir, c'est stylé, mais du coup, ça rend vachement plus vite. Bah, oui et non, après, tu vois, il y a quand même... on n'avait pas beaucoup de guerriers à distance jusque-là, maintenant, on en a. Après, oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Gameplay moins... Bah, c'est sûr que t'as moins l'infiltration, mais bon. Après, faut quand même faire gaffe, tu vois. Gérer la foule d'aura, tout ça. Ah, il a une protection de lumière devant lui. Un peu moins de la stratégie, c'est sûr. Oh! Oui! Ok. Alicia! Rodrigue! Hé! Par ici! T'as pas besoin de ça. Ouais, mais non, le cadavre ça marchera pas. Par là. Hey, par ici. Ouais, non, par là-bas ils disent, mais par là. Celle qui brûle là? On ne peut pas rebrousser chemin. Partez! On vous retrouve de l'autre côté. Faites attention! La maison! Allez! Oh, c'est fermé! Je l'en pompais. Allez, Brutor! Brutor, le Brutor. Tu vas voir. Il y a des gardes qui arrivent! Rodrigue, à couvert. Hugo, on s'en charge. Amusez-vous bien. Hop.
fait du coup l'autre là. C'est pareil, un extinguis. Non. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Il va faire un pot. Ah, il a la masse. C'est juste que je vais pas... Non, on peut plus mourir en fait. Enfin, pas hyper en tout cas. Ah, je lui ai éteint... Ah, trop bien, je lui ai éteint les chaussures. Ok. Donc oui, là... Déjà, on peut plus mourir à cause des rats. Donc, les deux runes, rappelez-moi de pas vous énerver. Bien. Cette fois, ça va marcher. Bah, y'a intérêt, mais c'est bon. Mortel ! Tu parles d'un plan ? Non, Amicia ! On va brûler ! Il ne t'arrivera rien, je te le promets. Roderick, tu nous suis ? Jusqu'en enfer. Après, voilà, on a... Que le gameplay change, c'est pas trop dérangeant dans le sens où on peut pas être tout le temps en scred et tout. Enfin voilà, il y a un moment où il faut que ça change aussi un petit peu. Allez, courage! Tu peux t'en charger? Ouais. Bah, si c'est comme l'autre, on peut avoir un laser. Le plafond va tomber! Calme-toi! Allez, arrête de parler, avance. Bon. Je mens jamais. Donc ça doit être la sortie. Et bah, défonce la porte, qu'est-ce que tu attends? Ah non. Au calme pour un jour de miracle. Ne réponds pas. Bah attends, on va lui dire de foncer dessus. Occupe-toi de lui. Toi, t'es fini. On va looter. On se rejoint après. Bien joué. Ça il se relèvera pas. Ça. Tu peux me croire. Ah, ça. Ouais, on compte toi. Merci. Attention. Vous avez dit que ça peut se juger sur place. Cet endroit est en quarantaine et sous juridiction de l'Inquisition. Mais on est pas malade! Regardez-nous! On venait juste récupérer nos affaires! Amicia, qu'est-ce qu'on fait? Attends, je réfléchis! Regarde! Compte sur moi! C'est quoi? Et l'autre, il est comment là? J'ai pas fait gaffe! Je pensais qu'il encaisserait plus que ça! Non! Lâche-moi, Scabby! Calme-toi, petit! Est-ce que tout va bien? C'est là-bas, c'est loin. Mais j'ai rien. Oh, merci! Merci! Soyez bénis! Oui, merci! Et bonne chance! Hé! Attendez! Flèche! Ils se sont fait buter. Qu'est-ce qui se passe? À couvert! Des archers! Bien joué, les gars! Ouvrez l'œil, surtout! Personne doit s'approcher de la cathédrale! La cathédrale! On est sur la bonne voie! Là-bas, la herse! C'est le seul chemin vers la cathédrale. On doit trouver un moyen de passer. Ah, mais c'est les deux autres là-bas qui nous font des signes. Mais du coup, on les a sauvés pour qu'ils meurent? C'est ça qu'on nous dit? Oh! Un établi qui est là. Et du coup, on les a. D'accord, on les a sauvés pour qu'ils meurent. Ah! On est au max là. Qu'est-ce qu'on fait? 20 munitions, bon. On n'a pas besoin. Amicia a plus d'un outil pour améliorer son matériel. On est sur la fin, donc je pense que bien on s'en fout un peu. Non, bah écoutez, peu à même enchaîner deux tirs sans concentration ni rechargement. Ah, ça peut être cool. La fronde ne fait plus de bruit. Oui, mais on va prendre ça déjà. Pas mal. Et. Alors, pas mal, je vais quand même le prendre, ça, parce que si jamais on a assez de matos, on pourra améliorer n'importe quoi. Ça m'a l'air bien mieux. Ah non, on n'a plus besoin d'outils. Oui, c'est juste les outils, c'est pas... Et ben au moins, on sera un peu plus tranquille avec ça.
Ok. Tu devrais pas. Pourquoi ? Cet endroit. Je le connais trop bien. Qu'est-ce qu'il y a, Roderick ? Dis-moi. Non, mais dis-moi. Mais dis-moi, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Finis ta phrase. Je sais pas si je dois ouvrir maintenant. Si après il me dit, oh, tu vois, je t'avais dit, t'aurais pas dû. Casse sa figure. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? C'est là ? Oui. Cette ruelle. Ah. Non. J'en étais sûr. Roderick, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas où ? Allons-y. C'est pas vrai. Roderick. Il reste plus rien. Ils ont brûlé ta maison ? C'était la forge de mon père. C'est là que j'ai grandi. C'est là que... Je sais ce que tu ressens. Mais tu es encore là. Et tes racines, elles ne pourront jamais te les prendre. Tu as raison. Je sais qui je suis. Je Allez. On doit sauver votre mère. Tu vas voir. Voilà. Maman, elle est gentille. Oublié, on partira ensemble. Et on trouvera un autre château. Ça, ce serait bien. Alors. Le chariot. Roderick, si on le pousse jusqu'à la herse, il nous protégera. Hugo sera à l'abri derrière. Hé ! Lâche ça, Amicia. Qu'est-ce que tu fais ? Reste derrière avec ton frère. Je vais te tirer. C'est moi qui pousse. Roderick, laisse-moi t'aider. Ça va aller. Si tu veux aider, surveille les gardes. Tu prends Tari ? Il meurt à la fin du voyage. Cache-toi, Roderick ! T'en fais pas pour moi, petit. Je m'occupe du loot d'abord. Juste pour des pierres. Amicia, ils sont pour toi. Ils m'entendent pas. Je fais comment alors? Tout simplement. T'es un peu lent, Roderick. Tu peux juste accélérer un tout petit peu. Amicia, ils sont derrière. J'ai mis une... C'est pas trop poli tout ça. Je suis à l'escalier. Venez vite. Oui, oui, bah. Je vais pas continuer. Il y en a d'autres. Oh. Ah. Au secours. Encore un effort. Il y en a d'autres. Elle a pris une. Viens à l'abri. À l'abri. À l'abri où? À l'abri où ça? Voilà, visiblement. À l'abri où? Il n'y a pas de bouton en plus. Allez, allez, allez. Chutez. À l'abri où? J'ai devant la grille simplement. Mais on est pire que à l'abri. Hugo sera à l'abri derrière. Lâche ça, Amicia. Qu'est-ce que tu fais? Reste derrière avec ton frère. C'est le bonhomme. C'est moi qui pousse. Roderick, laisse-moi t'aider. Ça va aller. Si tu veux aider, surveille les gardes. D'accord. D'accord, faisons ça. Cache-toi, Roderick. T'en fais pas pour moi, petit. Du coup, c'est bon. Pas tout cramé. Okay.
D'accord, elle enchaîne les deux tirs comme ça. Le fait d'avoir deux attaques, c'est quand même cool. Surtout que là, ils arrivent de par deux. Je dois juste souffler. Ah, si on peut les avoir, quoi. On y est. Restez pas là. Venez, vite. Oh mon Dieu, Rodrigue. Ça va un peu mieux. Je te suis. Bon. Ça va un peu mieux. Juste une flèche dans les côtes. Go, vas-y. À toi. Je suis désolé. Je suis désolé. Putain! Putain! Hugo, viens, il faut partir. Rester en vie et grouper. C'est pour ça que Rodrick et Arthur se sont sacrifiés. Laisse-moi tranquille! Elle a raison, Mélie. Rodrick. C'est fini, Hugo. Pauvre Rodrick. Il se repose maintenant. J'en peux plus de Serra! Charogne! Dégagez de là! Ils vont nous faire passer. Ah ouais? Et comment? Comme ça. Comment tu... Trop classe. Wow, alors c'est vraiment... Oula. Hugo, dis-moi que tu vas nous aider à buter ces enfoirés. Mélie, on peut rien faire sans ton frère, Amicia. Tu comprends ça? Je vais t'aider. Et tu vas nous aider à sauver maman. D'accord, marché conclu. Allez-y, les enfants. Merde. Elle a vraiment une sale gueule. Tenez-vous prêts. Qui est pas, là. Qui c'est qui a une sale gueule? Ah ben, il y a deux luttes un peu partout. Plus d'outils. Non, on va garder pour crafter. Il nous en faut 4 de la sapette. On pourra faire un sundown. Sinon, je peux pas avoir une dernière chance, on va dire, quand j'ai fait le printemps. Donc, on va essayer de chercher. Oh, c'est pas lui que je disais, mais ça marche quand même. C'est bien
Lui, il a une mine. Oh non! C'est chaud, donc par la droite, c'est chiant. Merde, elle a vraiment une sale gueule. Tenez-vous prêt. Ah, c'est la cathédrale. Ah oui, effectivement. Elle est trop classe. Elle est entièrement recouverte de... Quoi? Hop. C'est quoi ça? Ok, emmenez-vous, emmenez-vous. Oh bah, désolé pour ta tête. Quoi? Ah mais merde! Mais oui, c'est vrai qu'il y a la couverture avec les archers. La cover. Faut que je reste à terre. La cathédrale. Tu vois, Psycha, c'est pas si simple. Elle a vraiment une sale gueule. Non, en vrai, c'est pas si simple que ça. Parce que dès que tu actives le pouvoir, tu le mets debout. Du coup, forcément, t'es grillé. Enfin... Tu vois là, hop. Non, mais. Il va falloir y aller un petit peu plus stratégique. Manque de temps. Non, je pense que c'est manque de stratégie. Il va falloir être un peu plus stratège. Parce que là, c'est du gros bonnage. Elle a vraiment une sale gueule. Déjà. Tenez-vous prêt. Alors. Lui. Prêt. Les moteurs de probe ont été repérés en V. La cérémonie est sur le point. Là, lui, c'est bon. Mais non, mais d'où? Non mais. Dites-moi où et quand est-ce que le gars pouvait nous voir, quoi. Ça me gave. Ah oui, allez-y. Ah oui, non mais oui. Non mais. Les archers, ils ont quand même une super vue, hein. Ils ont une vue d'aigle. Cathédrale. Perçante. Merde. Kilomètre. Elle a vraiment une sale gueule. Mais non mais... C'est genre... Juste abusé. On dirait que celle-là, personne ne t'en fait. Ok. Maintenant c'est plus qu'une question d'archer. Une bonne vision. Hey, coucou Hunter. Un petit peu effectivement sur la fin, mais pas la fin du Let's Play. Par contre, je pense qu'il restera genre à peine un épisode. Ouais, peut-être deux grand max. Donc là, on est loin. Est-ce que je te spoil? De toute façon, tu vas le voir très vite. Ça va très bien et toi? Ça va.
Oh, on peut le mettre là. Bon. J'espère que tu ne comptais pas faire le jeu. Parce que là, ça va être gros spoil. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Attention, 3, 2, 1. Attends, on va attendre que... Voilà. 3, 2, 1, tu es prêt, Hunter? Ah, d'accord. Regarde-moi cette cathédrale, juste. C'est incroyable. Regarde ça, 3, 2, 1. Non mais, attaquez-le. Bon, si vous le faites pas, moi je le fais. Bravo. On fait moins les fiers quand on se fait bouffer par des rats, hein? Ouais, merde. Non, en fait, avec la macula qu'il a à l'intérieur de lui, il est passé à un stade supérieur, disons, dans la contamination, et donc du coup, maintenant, il peut contrôler... contrôler les rats. Il est faire manger nos petits amis. Donc du coup, il faut faire des bains de foule maintenant. Et ça, c'est bien. Petit bain de foule de temps en temps. On y est. Vitalis, Amicia, il va faire une grosse bêtise. Je le sens. Une bêtise? Quel genre de... Excusez-moi. Mais on est là pour le buter de toute façon, non? Il va commencer. Allons-y, Hugo. Maman est là-dedans. Oh, il nous attendait. Lucas, Mélie, restez où vous êtes. Vous allez mourir si vous descendez. Amicia, il y a des rats dessous. Alors dis-leur de sortir. Vas-y. D'accord. Ouais, tout à fait, Lucia. Non, on va mourir. Là, c'est la fin. Ouais, on va arrêter là pour ce soir et pour cet épisode. Comme ça, voilà, on arrête juste avant la toute fin. Comme ça, là, je sais que le prochain épisode, bon, je sais pas combien de temps il va durer, mais je sais que ce sera un bon épisode bien complet avec un niveau, la cathédrale et tout ce qu'il y a dedans. Bon, et eh bien, ma foi. Allons-y, Hugo. J'aime beaucoup. C'est très cool. Alors effectivement, comme le disait tout à l'heure Psyka, effectivement le gameplay a changé, c'est un petit peu plus simple, et encore, je trouve que pas forcément, parce que jusque là on était que deux avec des pouvoirs tout à fait normaux, à savoir la fronde et courir, ou se cacher, et donc à ce moment-là il n'y avait pas grand monde, ou c'était assez simple, là il y a quand même plus de monde, il couvre plus de surface, il faut quand même beaucoup plus rapide, beaucoup plus stratégique dans l'approche, et du coup, certes le gameplay change un petit peu, ça pourrait passer, être un petit peu plus simple, mais au final ça ne l'est pas forcément, parce qu'il y a plus de monde, il y a des archers, il y a les lanciers maintenant, chose qu'avant il n'y avait pas, jusque-là ils attaquaient au corps à corps et c'était tout, il y a très très peu d'archers dans l'ensemble. Et là, maintenant, voilà, on a plus d'unités à distance, ce qui fait qu'on se fait griller beaucoup plus facilement. Donc, certes, c'est plus simple, c'est un peu plus overkill avec les rats, mais en même temps, il faut quand même plus gérer, surtout les déplacements, bien se cacher, tout ça. Donc, ça, je trouve que ça se contrebalance plutôt bien. Et c'est pas non plus, on roule pas non plus sur le jeu en mode, voilà, c'est parti, on envoie l'armée de rats et puis courez devant. C'est pas non plus ça, donc ça va. Ouais, en vrai, ils ont quand même équilibré, ils ont trouvé, je pense, le bon équilibre entre plus d'unités contre plus d'unités de notre côté aussi, avec tous les rats. Donc ça va. Voilà. Mais je trouve ça grave stylé, et le moment où on voit comment Hugo qui arrive avec Nicolas, l'inquisiteur en armure, là, qu'on voit depuis le début. Trop classe, quoi. Le petit avec les veines pleines de macula, là, qui lui commence à lui manger le visage. Vraiment très très classe cette entrée là en matière avec Hugo côté Inquisition. C'était très classe, j'espère en tout cas que ça vous aura plu tout ça, donc je pense que la prochaine session ce sera, enfin oui c'est même sûr, la prochaine session ce sera la fin, alors un ou deux épisodes grand max, donc voilà,
J'espère que ça vous plaît en tout cas, YouTube. Des gros bisous, n'hésitez pas, comme d'habitude, mettre commentaire, like, abo, tout ça, tout ça. Bref, des bisous, ciao, ciao!